Ensuite, Monsieur le Président, vous verrez que l'article 1, toujours de l'ordonnance, est contraire à l'article 150, cette fois-ci, de la Constitution, dont les dispositions ne sont pas contraires à la charte, ainsi qu'à son préambule au point 6, et n'est pas aussi conforme, cette fois-ci, au point 9 de la charte et à l'article 74 de la charte. Enfin, Monsieur le Président, vous avez la loi sur l'organisation, la poursuite et la répression des infractions, de la corruption et des infractions assimilées. Et en cela, Monsieur le Président, l'article 156, alinéa 3 de cette loi du 4 juillet 2017 n'est pas aussi conforme à l'article 150 de la Constitution et à l'article 74 de la Charte et au point 9 du préambule de cette dernière. Elle n'est pas non plus conforme à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, à l'article 14, alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 3, alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous demandons de bien vouloir, après avoir entendu soulever des exceptions d'inconstitutionnalité et avoir sur le plan technique, Monsieur le Président, vous avez la requête elle-même qui est très exhaustive, donc transmettre à la Cour suprême, conformément à l'article 79 de la Charte de la Transition, des articles 18.6 et 41.5 de la loi du 10 mars 2021, ainsi que des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Bon, avant de leur passer la parole, maître, partout on vous a entendu parler de CNRT. C'est CNRD, hein? SNRT. Hein? SN. CNRD. RD, c'est pas T. C'est ça. Voilà. National pour la transition et pour le développement. Donc, il faut qu'on apprenne ça très bien avant de... Parce que l'articulation, là, ça nous permet au moins d'avancer sereinement. Mais pour le moment, on n'est pas serein, quoi. Tant que ce n'est pas bien, non. Maintenant, on peut passer au sérieux. Merci. Oui. Vous excuserez les petites coquilles. Non, ça arrive, hein, ça arrive. Oui, le ministère public. Merci, monsieur le président. Oui.